Au Québec, quelques femmes marqueront plus que d'autres la pratique des quilles. On pense notamment à Huguette Maheu et à Cécile Webster, qui font figure de pionnières dans les compétitions. Dans les années 1970 et 80, Joanne Bolduc et Suzanne Wilkie ont aussi changé, à leur façon, la pratique féminine du bowling. Bien, il a fallu que je fasse ma place. Parce qu'ici, le pattern qu'il y avait dans les quilles, c'est les femmes, ça jouait pas avec les hommes. And I'm your fellow.